Hey hey hey, que mes petits culs, et bienvenue pour ce nouvel épisode du Decade. Et voilà, j'allais dire, pendant qu'il y en a qui dorment tranquillement, il y a un certain hamster qui faisait la teuf dans sa petite boîte. C'est n'importe quoi. Pendant que mamie Hélène le fantôme est en train, eh bien, d'esponger. Ça couille, éponge! Pif paf pouf, nouvelle journée de vacances d'été commence aujourd'hui. Mais nous allons partir surtout en vacances. J'en profite, vu qu'il vient de se lever, pour vous présenter le relooking de Aaron. Je pense que vous comprendrez, puisque Aaron, je ne veux sans vouloir vexer qui que ce soit, c'était donc bien Ambre. Mais maintenant, il faudra l'appeler Aaron, puisque c'est un garçon, tout simplement. Pendant que Matisse bricole un petit peu. On va bricoler un petit peu juste le temps qu'il faudra pour aller avant de. Voilà, enfin, jusqu'à temps que les parents se lèvent et puis qu'on y aille tous ensemble en vacances à Granite Falls. Tandis que Gaspard se lève à son tour, ce beau gosse s'est laissé pousser les cheveux, ça y est, il s'est dit wesh, maintenant je suis ado, je peux pécho, tout ça. Donc voilà, le BG quoi. Mais c'est mignon ça, mes enfants ils sont presque tous là. Bah, elle mange, Emma! Qu'est-ce que je te dise? Qu'est-ce qu'elle est bête, celle-ci? Hein? Regardez-moi cette belle brochette. Je veux pas dire, mais Gaspard, poupoupouin, c'est un BG. Bah, pendant ce temps-là, c'est les parents qui font gros dodo, ils font la grasse mat, là. Bon, ils ont bien raison en même temps, mais mon avis, là, va falloir se lever, hein? Allez, allez, vous allez vous lever, là, ça ne va plus. Allez, Esther, et puis Alexander, c'est la même chose. Debout là-dedans. Je me dis comment il va faire pour survivre le petit hamster pendant qu'on sera loin. Bonne question. T'es de bonne humeur, ma belle? Comme c'est bien. Pourquoi tu fais du bricolage, toi? Ah, bah, carrément! Mais en plus, c'est vrai, j'ai oublié de demander d'appeler la. Vas-y, appelle la réparateuse plutôt. Hein? Tu es bien mignonne, Emma. Franchement, pas de problème. Tu vas parler avec ton frère après? Voilà, un petit peu. Voilà, et puis, une fois que c'est fait tout ça, ce sera réparé, on se casse, hein. Oh, bah, je crois que c'est trop tard. Il s'est pris un coup de jus. Bon, bah, allez, je pense que tout le monde est ready, tout le monde est beau comme des camions. Donc, on va pouvoir aller prendre des vacances, tout simplement. Bon, eh bien, je sais pas trop comment aller gauler, mais il me semble qu'on avait pris ça avec Gigi et Florent. Oh, écoutez, on va prendre cette maison-là. Au pire, on achètera des tentes. Il y en a déjà une dans l'inventaire, parce que j'ai fait le plein. Maman Esther a plein de conneries dans son truc, dans son sac. On va le louer pour 4 jours. Youhou! Voilà tout ce petit monde. Alors, oh, il y a une télé! Oh, mais on est sauvés! On est sauvés! Nous avons donc une chambre double. Bah, ce sera pour les parents. Et puis, deux lits séparés à l'étage! Mais c'est cool! Et puis, comme je vous l'ai dit, en plus, c'est vrai que j'avais jamais été dans cette maison. Je trouvais qu'elle avait un petit air moderne. Effectivement, elle est plutôt cool. Il y a de l'occupation, tout ça. Non, ça pourrait le faire! Ça pourra vachement le faire! Deux des grands enfants iront là-haut. Et puis, ben, Esther, elle a mis plein de choses dans son inventaire pour qu'on puisse s'occuper. Dont des tablettes que nous venons d'acheter. Nous avons un petit violon. Nous avons, eh bien, j'ai sorti les chevalets aussi, hein, les chevalets du fiel, hein, bien sûr. Pour qu'on puisse. Oh oui, magnifique, regardez. Avec cette vue-là, comme ça. On va pouvoir prendre tellement des belles peintures, je sens que ça va être super cool. Et puis tellement d'autres choses. Donc nous avons une tente qu'on nous allons mettre là. Et eh bien bah, les deux autres enfants qui resteront pourront aller là. Nous avons un tapis de yoga pour faire du yoga en toute sérénité. On va en mettre un ici aussi à l'intérieur, tant qu'à faire. Parce que bon, ce qui est bien à Granite Falls ou pas, c'est qu'on s'emmerde très rapidement, donc c'est pour ça que j'ai mis plein de choses dans l'inventaire pour qu'Esther, pour que tout simplement ils aient quelque chose à faire, nos petits, hein. Et ça va les occuper, et c'est bien. Bonjour les amis, je suis Pierre, votre gendicard de forestier. Je sais un tas de choses sur le camping, alors si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à venir me voir. Pierre Fort, oh bah dis donc, t'as un sacré look mon coco, avec ta petite boucle d'oreille.
Bah écoute, on va se présenter, hein. Voilà, tu vas inviter à entrer, tout ça. Bon, Matisse, il se détend devant la télé, il commence. Ah oui, il est tout grillé, le pauvre. Sinon, je pensais à un truc. Quelle sera la météo pour les jours à venir? Orage! Oh, super! Ce sera partiellement nuageux, partiellement nuageux, partiellement nuageux. On est ravis. Allez! Ça va courir un petit peu, ça va se détendre. Ça va s'occuper. Profitez-en, les gosses, parce qu'il fait beau. Donc après, on n'en dira pas la même chose. Tandis que Emma s'essaye paisiblement au yoga. En même temps, dans cette nature comme ça, bah, je ferai un peu la même chose, quoi. Hein? Magnifique. Oh, bah Aaron a trop chaud parce que c'est la canicule. T'inquiète pas, mon petit, demain. Il fera des orages, tu pourras quand même y aller, mais à mon avis, tu risqueras aussi ta peau avec les éclairs. Ouais, vas-y, Esther, je ne tiens plus. Je veux que tu fasses après une photo de référence. J'ai envie d'immortaliser ce très très beau panorama, quoi. Oh là là. Alors, une eau aussi belle et cristalline et claire, et ben, ils peuvent toujours pas se baigner dedans. Non, ils peuvent juste pêcher. Wesh! Gaspard! Change-toi là! Meurs pas de chaud, Coco. C'est bon, il va mieux. Tu me fais peur. Bon, bah, visiblement, c'était pas la bonne idée de les faire courir parce que même Aaron, il a super chaud. Quoi, t'es malade en plus? Ah oui, bah, il va falloir faire à bouffer aussi. Est-ce que tu peux être mignon et préparer un peu quelque chose? Des saucisses, allez. Voilà, qu'est-ce que ça donne, ta toile? Parce que j'ai pris. Alors, j'ai pris, je vais vous montrer. Ce coin ici, comme ça, parce que bah, je voyais pas l'eau. Je l'ai mis face à l'eau, en fait, et j'aurais pas dû. Pas grave, j'ai mis ça ici pour prendre une partie là. Pendant que Gaspard s'essaye également au yoga et au bien-être. Voilà, là ce sera beaucoup mieux. On va prendre avec les petites fleurs en bas, ça va être sympa. Aaron, lui, s'entraîne au jeu du fer à cheval. C'est pas terrible, hein. Tiens, mais c'est quoi ces plantes-là? C'est marrant. Tu peux la contempler, puis la... Voilà, non identifiée. On fera du coup, remplira ton objectif jardinage du jour et on découvrira peut-être une cucurbitacée. Et là, nous avons des fruits non identifiés. Donc, bah, tu vas venir les observer et puis, voilà. Oh! Des coccinelles! Qui c'est là-dedans qui serait... Bon, lui, c'est robotique, elle, c'est le chant. Aaron, c'est plus le... La tête. Ah bah écoute, tu peux venir les choper. Bah, il faut bien que je trouve quelqu'un qui va venir choper les trucs. Hein. Il est quoi, lui, déjà, comme... Actif, maladroit. Donc, ouais, un peu plus sportif, quand même, quoi. Bon, bah, tant pis. Tu viendrais quand même les attraper. Non, alors, Mathis, ça sert strictement à rien que tu fasses tes devoirs. Je te le dis tout de suite. Oh, par contre, Aaron, faudra passer à la douche après. Hein. T'es bien gentil, mais là, ça, c'est un plus de possible. Hein. Bon, alors, ça donne quoi? Ouais, c'est... Pas GG hein, quand même, au niveau des couleurs, c'est un peu passé. C'est quoi ça? Mais Matisse, mais pourquoi tu veux dormir absolument? T'es bête ou quoi? Divertis-toi un peu, non? Fais ce que tu veux, voilà, joue à la tablette, c'est bien. Wesh, c'est quand même tous bien des ados, hein, ce qui pue tous, hein. Oh la vache! Ah non, mais Gaspard, non, alors attends, je crois qu'il y a une salle d'eau là-haut, non? Oui, tu viens prendre ta douche, s'il te plaît. Bon, ma Matisse a pris ses quartiers là-haut. En même temps, c'est vrai que j'avais dit que ce seraient les deux aînés là-haut. Bon, écoutez, c'est les deux premiers qui chopent. Hein, après, hein, on va pas se battre. Et Esther? Esther, elle court. Et vas-y, arrête, t'as chaud, t'es éreintée. Mais qu'est-ce qu'ils ont, mes Sims, à être éreintés au moindre truc? Oh mon Dieu, un ours. Bon, ça joue, ça picole. J'aime pas que vous preniez des verres d'eau, s'il vous plaît. Arrêtez avant que je me fâche. Ah, Gaspard, il a trouvé tout seul. L'endroit pour aller dormir, mais c'est bien, mon petit. Et alors, et toi d'ailleurs, pendant que t'es en vacances, tu peux mettre à jour ton réseau social aussi, tout ça, tu vois? Crier depuis cachette dans la forêt. Vas-y, crie depuis ta cachette dans la forêt. Alors, c'est pas du tout pour regarder sous la jupe de notre belle Esther, hein. C'est parce qu'avec ce plan, avec ce ciel noir, avec ces étoiles et cette lune, je trouve ça très beau. D'ailleurs, elle a pris une petite photo aussi de l'endroit avec la lune, tout ça. Bon, je pense pas que ça va rendre superbe joli sur la toile, mais... Mais qu'est-ce que t'es parti là-bas, toi, boire un verre d'eau? Mais ça va pas bien, non? Allez, bah tu vas utiliser tout de suite les toilettes, mon petit, là. Ça va pas du tout, hein, Alexander. Et puis tu vas retourner au logement après, hein. Bah, Gaspard... T'es pas... Oui, tu me diras, t'es pas si fatigué.
Il va se mater à la télé. Ouais, je les laisse un peu vivre là en ce moment. Hein. J'avoue, c'est les vacances, quoi. On est tranquille. Hein. Ok, t'as fini ta toile? Oh, c'est immonde. Avec la lune, on dirait qu'elle a bavé un peu. C'est strictement dégueulasse. Bon, il est mignon. Gaspard, il fait la vaisselle. Ah, vous êtes trop mignon. Et vous savez quoi? Bah oui, hein, bah écoutez, hein, tant qu'à faire, hein, on a l'habitude maintenant, vous avez l'habitude avec moi, hein, finir les journées par un petit crac-crac, mais en plus c'est les vacances quoi. Et non, par contre, Aaron, non. Aaron, non, c'est pas ta chambre ici. C'est à tes parents. Dis donc, tu vas le partager avec qui le lit, hein? Je suis désolée, donc non, non. Et youp, 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 youp là! Ça rebondit dans le lit. Bah, Gaspard, il s'est dit, tiens, je vais allumer le feu en pleine nuit, puis je vais traîner comme ça dehors. Bon, on est tranquille, hein, c'est les vacances, hein, je le répète, hein, donc. On est chill, on est cool, on est... Ouf, voilà, je ne m'énerve pas. Oui! GG! Il a chopé des lulus, des lucioles, hein. Ça, c'est trop cool. Je savais même pas qu'on pouvait apprécier ce truc, donc voilà, il l'a fait, mais je pense pas que ça a fait un quelconque intérêt. Allez, il reste des petites lucioles colorées à prendre ici. Elles sont belles, hein. Yes! Une luciole arc-en-ciel! Et ça va valoir 75 simflous quand même. Hein. Allez, rentre à la loca, tu vas aller quand même un peu dormir là. Alors qu'une nouvelle journée de vacances d'été commence. Eh mais vous êtes déjà levés tous les deux? Ah bah oui. Ah bah non, mais alors, du coup. Ouais, Mathis, tu peux nous faire un petit peu des grillés, des fruits pour le petit-déj, s'il te plaît. Emma, 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 oh Emma, tu vas aller aux toilettes en attendant, quoi. Allez, il n'y a pas de réseau ici, arrête avec ton téléphone. Oh, marde, Aaron est tristoun parce qu'il a... C'est le seul qui a loupé son jour férié, hein. Les autres, ils sont plutôt contents, mais lui, non. Non, mais viens, ah, viens t'asseoir là. Ah, c'est bon, les fruits vont être servis. Emma, t'es magnifique. Je suis pas sûre que ce soit la tenue adéquate pour le coin, mais bon, pourquoi pas. Voilà, ça va discuter entre frères et sœurs, décrire la nouvelle idée. Toi, mon petit, tu vas te plaindre de problèmes et tu vas partager l'excitation du jour férié. Oh bah voilà, ça flotte. Super, c'est pas du tout ce que je redoutais, mais non, c'est génial. Des actes dans les années 60, 50, 60, je sais plus. Oui, 60. On avait eu de la flotte pendant tout le séjour. Granite Falls, ce petit paradis. Bon bah, Ron a retrouvé le sourire. Tout va bien. Bon, comme il pleut déjà, Emma, je pense que tu peux essayer de nous entretenir, n'importe quoi. De nous divertir avec ta magnifique voix, hein. Bon, alors, t'en es où déjà du chant? Parce que... 4. Bon, on a encore du taf, hein. Hé, hey, Gaspard. Je suis désolée, hein, dès que tu sois dans la tente et que ça flotte, bah, ça réveille dès le matin, hein, c'est au moins ça. Ils sont contents, regardez, ils ont tous du barbecue, nos petits déj, mais au moins ça fait un truc de validé. Non, puis alors, mettre une des rares occupations qu'il y a par défaut dans cette maison, eh ben, à la pluie, c'est cool, hein, donc ils vont sûrement pas jouer aux cartes. Bon, allez, c'est parti pour du yoga d'intérieur, Aaron va ouvrir le bal. Et puis tout le monde va y passer un petit moment sur le tapis comme ça. Ça fera du bien à tout le monde. Oh, Gasparoun, il est bien élevé. C'est bien mon bichet. Oh, mais oui, j'avais oublié qu'il avait son petit quadricoptère. Il a gagné 20 au bonnet, bah non. Tu vas pouvoir t'amuser avec ton quadricoptère, mon petit. Ouais, heureusement qu'on l'a fini avant de partir en vacances. Regardez comme ça, des tonnes d'amusement en peu de temps, là. Ouais, puis il s'en va dehors en plus. Oh, il a pas peur de se prendre la foudre? Oh, s'il se prend la foudre, on est mal barré, non? Alexander, t'es fou! Reviens à la maison! Je suis désolée pour la flotte, hein, mais bon, on avait bien capté qu'il y avait une journée de merde, donc ben, c'est aujourd'hui. Vous voyez, on s'occupe quand même un peu du yoga, de la peinture, de la tablette. Qu'est-ce qu'elles font là-bas? Pardon, qu'est-ce qu'ils font là-bas? Ah bah, Aaron fait ses devoirs, ok. Et Emma... Bah, on sait pas, Emma. Bah, Emma, tu peux continuer de chanter. Voilà. Ça fera une petite musique d'ambiance. N'empêche, ça va mieux, sa voix. Hein. C'est quand même mieux. Oh, on arrive bientôt au niveau 5, hein. Donc, ça va aller, hein. Oh, bah, ok. Et Mathis est parti se taper une sieste sous la tente. Bah, écoutez. Mais il y a un truc que j'ai oublié de prendre, que j'avais sorti de l'inventaire de la famille. C'était un super appareil photo pour faire des photos en famille, en vacances. Je l'ai oublié. On peut pas acheter.
Bah Aaron, peut-être que ça te plairait de t'entraîner un peu au violon puisque t'avais commencé quand t'étais plus petit. Alors, je pense que ça pourrait le faire. Bon, puis on est parti pour avoir un artiste, hein. Aïe, 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 bah oui, bah ça commence à zéro, hein. Donc ça fait mal un petit peu. Je vous comprends. Non, non, mais je n'insiste pas. Pas du tout. Je ne veux pas que vous ayez mal aux oreilles. Non, c'est pas vrai. Jamais je vous ferai ça, bien sûr, mes petits culs. Vous êtes mes abonnés d'amour. Quand même. Bon, ils ont malheureusement le divertissement aquatique. Alors, ils vont aller jouer un peu sous la pluie. Oh, bah alors, risques et périls, hein. Bien sûr, hein. Ce serait pas de ma faute, hein, s'ils se chopent un éclair. On est d'accord, les enfants. Regardez les petits rouquins! Oh, qu'ils sont beaux. Voilà qu'un seul divertissement aquatique. C'est une journée de vacances réussie! Oh, punaise, je... Bon, je me dis qu'il faut qu'ils invitent quelqu'un aussi à chaque fois, là, en vacances. C'est peut-être un peu relou. Esther, qu'est-ce que tu fous dehors? Rentre, Nunuche! Oh là là! Bon, allez, Aaron, tu vas arrêter de t'entraîner. Si t'as quand même fait du sport, du barbecue, et alors tu vas aller profiter un petit peu de jouer sous la pluie. Je suis désolée, mon petit. Ouais, alors ne te prends pas d'éclair, c'est tout ce que je te demande. Ce serait vraiment, vraiment dommage, tu m'entends? Ce serait dommage que je filme ça à un moment où tu te prends un éclair, hein? Mon pauvre. Oh ouais. Oh, ce serait vraiment pas de bol, dis donc. Non, moi insister. Mais non, voyons, est-ce que c'est mon genre? Mais Alexander, il fait quoi dehors, lui, cet idiot? Oh, il me tue, moi, ces Sims. Oui, regardez qui est là! C'est Eva, et elle vient nous faire un coucou pendant nos vacances. Ça, c'est cool. Tiens, tu vas faire une accolade gênante à ta sœur. Bon, elle est un petit peu mouillée, mais ça passe. Wesh, mais attendez, j'ai la combine ultime, là. On peut mettre la tente... Oh mais c'est trop bien. Du coup on va mettre la tente à l'étage et tout le monde se pourra dormir safe à l'abri cette nuit. Bon, je pense qu'on va aller voir un petit peu ce que les sœurs de Saint-Paul ont pondu entre l'épisode dernier et celui-ci. Donc direction l'arbre généalogique de Esther. Eva a donc eu Pierre, un petit garçon, c'est cool, avec Léa qui était déjà née, et Justine, ça c'est très bien. Laura a eu donc, bah toujours, oui, c'était Emma et Alexandra, effectivement, et Anaïs. Anaïs a eu son petit bébé. Et c'est un garçon qui s'appelle Nicolas. Et bien, c'est bien, ça ramène un peu de testostérone aussi, tout ça. Bravo, Anaïs et Tommy, pour votre premier bébé. Bon, on arrive au niveau 5 pour Emma. Vas-y, ma belle. Explose les scores. Niveau 5, niveau 5, niveau 5 en chant. Yeah, baby. Ça, c'est bien, ma belle. Ah oui. La voix, elle a changé quand même. Hein. Ou pas. Et encore un petit truc de validé pour Esther. C'était le sport du jour. Tu manges et après, tu vas aller faire un petit peu joujou sur la flotte. Hein. Ah, tout le monde va y passer. Hein. Oh là là, ça y est, ici, c'est la chorale. Vous allez voir, elle va vous chanter un truc, hein, Emma, vous allez pas en revenir, hein. Allez, tu vas chanter la chanson du jour férié à ta tati. Voilà, tu verras, tu montreras à quel point tu chantes mieux que les autres. Tiens, tiens, tiens. Elle est allée courir. Bon, apparemment, elle s'est pas pris la foudre, zut. Bon, Eva, c'était cool de te voir, mais tu peux rentrer chez toi maintenant, hein. Allez, ciao. Bon, je pense que vous allez pouvoir tous vous coucher. Bah, écoute, toi aussi, Mathis. Allez au dodo. Vous aurez bien travaillé vos biscottos. Tout le monde est parti se coucher. Donc c'est bien. Hein, ce début de séjour à Granite Falls est plutôt sympathique. Bon, sauf la journée d'orage et sous la flotte. Normalement, le prochain épisode, ça devrait être quand même sous temps nuageux. Mais on va pouvoir bouger, aller dans la forêt peut-être. Et puis continuer les petites activités tranquilles, chill, quoi, j'ai envie de dire. Moi, je vous remercie d'avoir été là pour cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu. Je vous donne rendez-vous très bientôt, évidemment, pour la suite du Decades Challenge. N'hésitez pas à mettre un petit comme un like, à vous abonner, à retweeter, à partager, etc., etc. Je vous fais des très gros bisous. Je vous dis à très bientôt. Ciao !